Peephole on the track. Yo, alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Reçois pour le favor, jeune beatmaker, entrepreneur. Aujourd'hui, je viens tout simplement t'offrir un nouveau drum kit qui s'appelle Afrobeat. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir des drum kits dans lesquels ils pourront trouver des samples avec des instruments déjà mixés et masterisés dans des instruments tels que les guitares. Le voici, le drum kit déjà dans FL Studio. J'ai mis des brasses, j'ai mis des caisses, j'ai mis des guitares basses, j'ai mis des guitares rock, harmonica et quelques percussions. Donc tu vois que c'est complètement gratuit ce drum kit. Voilà, donc confectionner ce drum kit m'a pris plusieurs heures pour pouvoir obtenir les meilleures sonorités. Je vais te faire une présentation rapide du drum kit. Voilà, donc dans le dossier brasse, qu'est-ce que tu trouves? On trouve la première brasse ici. Voilà, tu vois qu'elle est assez intéressante. Si je la charge par exemple dans le mixeur et que... Généralement, ces instruments, il faut toujours acheter des instruments tels que la reverb et du delay bank avec un léger paramétrique aussi. Voilà, donc je ne suis pas là pour te parler de mix. Voilà, donc tu vois, c'est des effets comme ça qui sont vraiment afro. Ensuite, ce qu'on va faire, on va encore tester. Il y a des caisses lourdes ici. Voilà, tu vois, c'est des instruments très intéressants. Voilà, donc tu vois, en plus j'ai mis des crashs. Voilà, tu vois, c'est des crashs assez intéressants. Ensuite, tu vas trouver aussi des flûtes. Quand tu prends une flûte comme ça, tu la mets dans le mixeur aussi. Tu mets un peu de reverb toujours, comme j'ai dit. Un peu d'écho. Voilà, donc et aussi tu trouveras des guitares basses. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce qu'ils peuvent avoir une guitare qui sonne pareil. Voilà, donc j'ai mis ça à l'intérieur, c'est gratuitement. Ensuite, il y a les guitares aussi, des guitares très utilisées dans les sons, tels que les sons des NASA. C'est assez intéressant. Ensuite, il y a des guitares rock aussi. Voilà, tu vois, c'est très puissant. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, tu as harmonica. Voilà, et tu as des percussions. Voilà, tu as des chamisènes aussi. Voilà, ensuite tu as quelques tomes. Voilà, donc ici on arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté ton drum kit. Voilà, donc je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement le drum kit. Voilà, donc pour ceux qui vont vouloir avoir plus d'instruments, j'ai mixé, masterisé, plus de samples, donc j'ai d'autres drum kits qui sont déjà disponibles. J'invite tous ceux-là à regarder aussi dans, juste en bas de cette vidéo pour découvrir les différents drum kits qui pourront améliorer, qui pourront les permettre de passer leur composition à un niveau supérieur et rendre des instruments commerciaux. Donc sur ce, on se prend de l'autre côté. Ciao. Voilà, donc et pour tous ceux aussi qui aimeraient avoir une assistance personnalisée, je les conseille d'accéder à mes formations vidéo. Comme ça, vous pourrez bénéficier de mes différents outils et de mes différents
plugins qui vont vous permettre de pouvoir aussi commencer à faire des instrus de qualité. Voilà, donc sur ce, c'était pour le favor. On se prend pour la prochaine vidéo. Ciao!